Le jardin public du rond-point Bastos de Yaoundé a servi de cadre ce dimanche 14 mai à un pique-nique des enfants adolescents initié par les ministres aux enfants de la PSU Yaoundé. L'activité s'est déroulée en présence de plusieurs dirigeants. L'objectif était de produire plusieurs profils d'enfants de notre ministère. Aujourd'hui est un jour spécial au ministère aux enfants. Nous avons décidé de prendre les enfants de la plus grande classe, qui est compris des enfants à partir de 10 ans, d'avoir un espace avec eux, un espace ouvert comme celui-ci, où ils peuvent s'exprimer, où on peut échanger avec eux. Et étant des enfants qui font déjà face à la puberté, il était question de les mettre à part pour les éduquer, leur donner ce qu'il faut, afin qu'ils soient éduqués, qu'ils sachent comment se comporter. Et le but était de produire, n'est-ce pas, ces enfants profils dont Dieu attend de nous dans notre ministère. Le pasteur Joseph Gandeux a entretenu les enfants sur la marche avec Dieu afin de demeurer dans la lumière. Quelques enfants ont pris des résolutions fermes. Pendant le message du frère Joseph Gandeux, j'ai retenu plusieurs choses. Et parmi ces choses, j'ai retenu que nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Et pour marcher dans la lumière, nous devons faire tout ce que Dieu aurait fait, ça c'est pour marcher dans la lumière. Et on s'est repenti, on a demandé pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons marché dans les ténèbres. Et quand je vais rentrer, je vais faire des restitutions et je vais demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas marché dans la lumière. About what Pastor Joseph Gandeux said, I understood that you need to work with God, to have a good relationship with God. Having a good relationship with God is like reading the Bible, praying, preaching the gospel. And what I've decided to do when I'll go back home is to preach the gospel to my friends, my neighbors, all those who are around me. Au terme de ce pique-nique, les enfants, tout joyeux, ont retenu le message du pasteur Joseph Gandeux et sont prêts à obéir. En ce pique-nique de 2023, pendant le message du pasteur Joseph Gandeux, j'ai retenu que si c'est que je veux marcher dans la lumière, je dois arrêter de marcher dans les ténèbres. Et ces ténèbres sont le péché. Si je veux marcher avec Dieu, je dois arrêter de commettre le péché. Gloire à Dieu. Pour marcher dans la lumière, il faut savoir être en communion avec Dieu. Il faut mettre dans sa tête que qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place. Que si je fais ça là, qui ne plaît pas à Dieu, est-ce que j'ai marché dans la lumière ou j'ai marché dans les ténèbres? C'était également l'occasion pour le jeune David de couper son gâteau d'anniversaire et de le partager avec ses frères.